2000 personnes ont participé à la marche blanche pour Carla, samedi matin à Florensac. Une marche à la mémoire de la jeune fille de 13 ans tuée lundi dernier à la sortie de son collège par le frère d'un camarade. Le cortège a traversé le village en silence jusqu'au collège de Voltaire, où des centaines de ballons blancs ont été lâchés dans la foule. De nombreux adolescents, la plupart portaient une rose blanche à la main qu'ils ont déposée devant la grille de l'établissement. On écoute des participants à cette marche blanche. C'est un dernier hommage surtout pour la famille, pour soutenir la famille. Et puis bon, il s'est produit un malheur que j'aurais pas aimé que ça arrive à ma fille. Il faut absolument plus que jamais ça se reproduise. C'est vraiment une chose qui est très terrible, quoi. Il faut que les enfants comprennent que la violence, c'est pas la seule solution pour régler les problèmes, quoi.